Dans cette intégrale, vous découvrirez la première équipe des champions. Champion 1975-1978, tome 1 contenant 23 épisodes pour 471 pages, nous présente l'équipe des champions qui n'aura pas vraiment connu de grand succès. Elle ne comptera que 17 numéros et, comme très souvent dans les séries Marvel qui n'ont pas marché, trouvera son dénouement dans d'autres séries. Je dois dire que bien que le casting soit composé du Ghost Rider, d'ailleurs je vous recommande de lire ce tome si vous suivez la série Ghost Rider tome 2 et tome 3, étant donné que les événements se déroulent en parallèle, de Black Widow, Hercule, Iceman, Bobby Drake et Angel des X-Men, il manque quand même quelque chose à cette série, même la cohésion de l'équipe n'est pas à top niveau, et d'ailleurs le Ghost Rider sera le premier à déserter l'équipe. Je ne dirais pas que c'est un mauvais album, cependant vous risquez d'être déçu si vous attendez à quelque chose à la hauteur des Avengers ou d'X-Men. C'est pourquoi je recommande surtout aux fans du Ghost Rider pour compléter le suivi de son histoire. Voilà, j'espère que tu auras aimé cet épisode. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à partager et t'abonner pour plus de présentations.